Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aller à la boulangerie. Nous allons découvrir comment on fabrique la baguette. Pour cela, il nous faut 4 ingrédients. Bien sûr, la farine, la levure, le sel, et de l'eau. Mais au fait, qui fabrique du pain dans la boulangerie? Est-ce que c'est le jardinier ou le boulanger? Mais oui, c'est le boulanger. Saviez-vous qu'il lui faut 2 jours pour préparer les baguettes? Allons travailler avec lui. C'est parti pour la première étape. Regardez. Le boulanger verse la farine dans le pétrin. Il ajoute de l'eau. Maintenant, le boulanger laisse tourner le pétrin pendant 2 heures. Ensuite, vient la deuxième étape. Il va ajouter la levure qui va aider à faire gonfler le pain et le sel. Regardons ensemble. Le boulanger ajoute la levure, puis il verse le sel. Le boulanger va relaisser tourner le pétrin pendant 2 heures. Ensuite, pour la troisième étape, il va retirer la pâte pour la mettre dans un bac. On appelle ça le débacage. Regarde! Le boulanger retire la pâte. C'est l'étape du débacage. Il travaille la pâte pour faire entrer de l'air et former une grosse boule. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La pâte peut maintenant aller se reposer jusqu'au lendemain. Oh, la pâte a bien dormi, elle se réveille. Il est temps maintenant de passer à la 4e étape. Le boulanger façonne les baguettes. Et pour ça, il utilise ses mains. Regarde! Le boulanger façonne les baguettes avec ses mains. Dans cette boulangerie, il façonne 250 baguettes par jour, simplement avec ses mains. C'est le moment de mettre les baguettes au four. Attention, il est très chaud. Regardons ensemble la 5e étape. Avec un couteau, le boulanger fait d'abord une marque sur les baguettes. On appelle ça le scarifiage. Ensuite, il met les baguettes dans le four. On dit qu'il enfourne les baguettes. On appelle ça l'enfournage. Ensuite, il sort les baguettes du four. Il défourne. Regarde leur couleur. Elles sont dorées. Ça a l'air bon. Et voilà, tu as fabriqué une baguette avec un vrai boulanger. Et maintenant, c'est l'heure de la meilleure étape. Écoute! C'est bon!